Salut à tous, on est le 6 septembre, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire où est-ce que j'en suis rendu dans mon voyage. Je suis au nord de Brno et je suis en train de faire des petits travaux dans une ferme, donc on ramasse des pommes et on fait aussi ça. Et oui, je suis un. La semaine dernière, j'étais au sud de la République tchèque, vraiment pas loin de la frontière autrichienne, près de la ville de České Budějovice. Et mon travail consistait surtout à récolter des fleurs. J'ai très peu de vidéos sur cette semaine, donc je vais vous montrer deux petites vidéos. La première, c'est un château qu'on a visité, qui est le château de Prozetím ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le nom. Et la deuxième vidéo, c'est la vidéo où on récolte les fleurs, sauf que comme j'avais plus de place sur ma carte mémoire, bah, la vidéo coupe au mieux, coupe, et du coup, vous allez voir que 5 secondes de vidéo où je suis dans le champ en train de récolter les fleurs. Je vous mets ça tout de suite. Bon, là, on va visiter un château avec Daniel et Cathy, qui sont deux Tchèques. Et je vais pas essayer de prononcer le nom de ce château parce que le nom est très difficile à prononcer. Donc voilà, Putain, le château. putain. Oh, Putain. oh. Je lui ai appris des insultes, du coup, il aime bien. There was a jail before. Okay, thank you, Daniel. You're welcome, always, Arthur. On est le 31 août, c'est la dernière fois qu'on collecte des fleurs, donc je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblait le. Sinon, après-demain, je pars pour la Slovaquie, je vais juste passer une journée dans la capitale Bratislava, juste pour visiter, pour voir les différences qu'il y a culturellement entre la République tchèque et la Slovaquie, ce sera pas très long. Malheureusement. Ensuite, je vais partir en Autriche, à Vienne, puisqu'en fait, Bratislava et Vienne, donc Bratislava, la capitale de la Slovaquie, et Vienne, la capitale de l'Autriche, c'est deux villes qui sont quasiment collées, il y a 50 km entre les deux. Donc, je vais aller à Vienne, je vais passer le week-end à Vienne, et je vais revoir Alfred, Alfred qui était une des personnes dans mon LPX précédent, en Pologne. Donc, je vais pouvoir le revoir, on va passer le week-end ensemble, ça va être sympa. Et ensuite, je vais partir pour peut-être le Liechtenstein. Peut-être passer par l'Allemagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, j'ai un LPX en Suisse, au nord de la Suisse, entre Berne et Bâle, donc le nord de la Suisse. Et ça va être une ferme, encore une fois, et puis ça va durer une semaine. Donc voilà, c'est à peu près la fin de mon voyage, ce sera ça. Allez, à plus! Juste, j'ai pas beaucoup de vidéos, je fais de moins en moins de vidéos, mais je prends quelques photos, donc consultez ma page Facebook, je vais peut-être poster quelques photos.